Salut à tous et à toutes, c'est Super22 et bienvenue dans cet épisode où nous allons analyser une vidéo de Jojo Bernard. C'est parti. La vidéo en question s'appelle l'Euro sans Karim, bravo Didier. C'est le titre original, ne déconne pas. Pour commencer, on va lancer la vidéo. Bravo Didier. Ouais, bon là il est énervé et là vous allez me dire pourquoi il est énervé. Il est énervé parce que Malik Benzema ne fait pas partie de l'équipe de France. En tout cas ne fait plus partie de l'équipe de France. Et vous allez me dire encore une fois pourquoi est-ce que Malik Benzema ne fait plus partie de l'équipe de France. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais faire un résumé très simple. Donc alors, le joueur Malik Benzema s'est retrouvé dans une affaire de chantage en tant que chanteur, ou en tant que méchant si tu préfères. Et il y a eu plein d'histoires avec, dont un procès qu'il a perdu. Et à cause de ce procès qu'il a perdu, ben, il n'a pas le droit de faire l'Euro 2016. Et il a énormément le seum. Donc voilà, j'ai expliqué pourquoi il est en train de rager. Maintenant, on va continuer la vidéo. Donc ce moment-là, on passe parce qu'il ne sert absolument à rien. Voilà, donc alors ce moment-là est intéressant. Il se plaint parce qu'il a acheté le maillot de Benzema, le numéro 10, à un prix de 100 euros. On sait tous très bien que 100 euros, c'est pas rien. Donc comme Benzema n'est plus dans l'équipe, bah il rage comme un petit Kevin qui a perdu son stuff dans Minecraft. Bon là il continue à rager. Et c'est là que ça devient intéressant. Le mec s'est tellement énervé qu'il a donné un coup de poing sur son écran, qu'il l'a fait tomber, et il a eu tellement mal qu'il a fait un bruit très bizarre. Écoutez un peu. On peut confirmer, c'est très bizarre. Et le moment le plus marrant, c'est bien évidemment la fin. Écoutez bien. Ok, vous allez dire que j'ai même pas mal à la fin. Faire le malheur. Maman. Le mec a eu tellement mal qu'il part pleurer chez sa mère. Le seul truc un petit peu con, c'est qu'il traite sa mère de cette façon. Ta gueule, maman ! De grosse salope ! Va te faire voir ! En effet, Jojo Bernard est très con. Donc cette vidéo analyse de Jojo Bernard est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde !